Comment garantir que votre rythme de travail vous permette d'être productif et évite que vous attrapiez la maladie d'Alzheimer? C'est le sujet que je vais aborder aujourd'hui avec un rituel de l'entrepreneur libre. Bonjour, je suis Sébastien Naik, le marketeur français, et dans chaque épisode, chaque jeudi à 19h, je partage avec vous une habitude qui peut vous rendre plus heureux et plus productif. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une habitude qui est toute simple, mais que la plupart des entrepreneurs n'ont pas réellement décider de mettre en place dans leur vie et qui pourtant peut faire une grande différence dans votre bonheur et dans votre productivité. Il y a quelques années, j'ai fait un tour du monde avec ma femme et une des étapes de ce tour du monde était l'Australie. Et on a tous les deux été sidérés de constater à quel point nous avions un décalage horaire avec mon ami Michael et sa petite famille. On était là avec sa femme et ses trois enfants et on a constaté qu'on avait... Quand je dis un décalage horaire, ce n'est pas à cause du voyage, c'est parce qu'on vivait vraiment sur un autre fuseau horaire qu'eux. J'avais pris l'habitude, en fait, une habitude que j'ai héritée de mes parents, surtout de mon père qui travaillait très tard. Et j'ai pris l'habitude de travailler très tard, ce qui fait qu'on dînait tard, ce qui fait qu'on allait se coucher très très tard. Et donc, au moment où on a fait ce voyage avec Cécile, notre rythme à nous, c'était d'aller, de dîner peut-être à 21h et de se retrouver peut-être à aller se coucher quelque part entre 11h30 du soir et 1h30 du matin. Alors que dans la famille où nous sommes allés, la famille de Michael, eh bien, à 5h du matin, tout le monde était debout. Donc Michael allait faire son sport à 4h du matin. À 5h du matin, les enfants se réveillaient. Ils passaient un petit peu de temps ensemble. Les enfants allaient à l'école à, je crois, environ 7h du matin, dans une école alternative. Et les enfants avaient fini l'école extrêmement tôt aussi. Et ils allaient se coucher à 17h. Les enfants allaient se coucher à 17h. Et les parents allaient se coucher vers 20h. C'était, pour moi, c'était une autre planète. Et ça m'a un petit peu piqué ma curiosité. Je me suis rendu compte que cette question de rythme pouvait être importante. Et c'est là que j'ai découvert, j'en reparlerai dans un autre épisode, qu'il y avait en fait une heure optimale au-delà de laquelle il ne faut pas dépasser. Il y a une heure optimale pour aller se coucher. Et donc, j'en ai déduit par rapport au temps et au rituel que j'ai le soir et à passer du temps avec Cécile et dîner, etc., qu'il fallait aussi que je me fixe une heure limite pour arrêter de travailler. Et en fait, toujours pour rester en Australie, récemment, l'Institut de recherche en sciences économiques appliquées de Melbourne en Australie a fait une étude immense sur 6500 personnes pour voir s'il y avait une influence entre le nombre d'heures que les gens passent au travail et leur capacité cognitive, c'est-à-dire le fonctionnement de leur cerveau. Et ils ont constaté un phénomène très intéressant, c'est qu'il y a un lien direct entre la quantité d'heures qu'on passe à travailler dans la semaine et la qualité du fonctionnement de notre cerveau. Et ils ont dessiné une courbe très intéressante qui montre que par rapport à quelqu'un qui ne travaille pas, quelqu'un qui travaille une heure par semaine à temps très 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 partiel, ou deux heures ou trois heures par semaine, a en général une meilleure capacité cognitive. C'est-à-dire que plus vous travaillez dans la semaine jusqu'à un certain point, plus la capacité cognitive de la personne augmente. Sans doute du fait, alors c'est aussi une corrélation dans le sens où peut-être que si vous avez l'encéphalogramme à plat, vous êtes incapable de travailler. Peut-être que c'est ça. Mais en tout cas, il y a une corrélation directe qui fait que quelqu'un qui travaille 15 heures par semaine a une capacité cognitive en moyenne qui est légèrement meilleure à celle que quelqu'un qui travaille 10 heures par semaine, et ainsi de suite. Mais en fait, la limite est de 25 heures. Au-delà de 25 heures, on constate que la courbe s'inverse. Les gens qui travaillent 30 heures par semaine ont une capacité cognitive inférieure à ceux qui travaillent 25 heures par semaine. Et ainsi de suite, ceux qui travaillent 40 heures par semaine ont une capacité cognitive inférieure à ceux qui travaillent 35 heures par semaine. Et la courbe continue de décroître jusqu'à 60 heures. Et à partir de 60 heures, votre capacité cognitive, c'est-à-dire la capacité de votre cerveau à prendre des décisions, à réfléchir, à résoudre des problèmes, est inférieure à celle de quelqu'un qui ne travaille pas du tout. Là, vous commencez à nuire carrément à la qualité du fonctionnement de votre cerveau. Encore une fois, il s'agit d'une corrélation, dans le sens où on pourrait penser que c'est une relation de cause à effet. Peut-être que le fait de travailler trop fait que vous avez plus de mal à vous concentrer et donc que vos capacités sont limitées. C'est une hypothèse. L'autre hypothèse, c'est de dire qu'il n'y a que les gens bêtes qui travaillent plus de 60 heures par semaine. Alors forcément, quand on est entrepreneur, ça fait mal parce que souvent, on ne compte pas ses heures. Mais mon objectif, c'est de vous aider à être des entrepreneurs libres. Vous qui regardez cette vidéo et donc à travailler de façon stratégique, réfléchie, productive, efficace et pas juste parce que
comme Sisyphe, vous avez un rocher et vous êtes obnubilé par pousser le rocher jusqu'en haut de la montagne, rocher qui repartira le lendemain en bas de la montagne. Et malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs vivent leur vie comme ça. Donc, une des habitudes que j'ai mis dans ma liste, que je me suis créé comme rituel, c'est de me fixer que 18h, c'est l'heure pour finir de travailler et de dire qu'à partir de 18h, c'est fini, on arrête tout. Et donc, chaque semaine, je vous montre mon score. J'utilise une application qui s'appelle HabitList qui me permet de tracer en fait le suivi de mes habitudes et donc qui me permet sur le long terme de savoir si je suis mes habitudes ou non. Et donc, par transparence, parce que je ne suis pas un donneur de leçons, je partage en fait les rituels qui ont beaucoup aidé ma vie d'entrepreneur. Eh bien, je vous partage mon score sur les 6 dernières semaines est de 60% et de tous les temps est de 42%. Donc 60%, ça représente par semaine 4 jours, par semaine en moyenne. Et 42%, ça représente par semaine environ 3 jours par semaine. Et ça veut dire qu'il y a encore des jours où je travaille encore après 18 heures. Aujourd'hui, par exemple, je filme des vidéos. Je vais probablement tourner plus tard que 18 heures, donc je ne pourrais pas cocher la case. Mais le fait, en fait, de commencer cette courbe et de dire, OK, parce que j'avais l'habitude de me considérer comme un couche-tard et donc j'arrête de dire que je suis un couche-tard et je décide plutôt de me fixer des heures. Ça a déjà apporté beaucoup dans ma vie. Dans le prochain épisode, je vous parlerai des habitudes, des rituels qui sont liés à la vie sociale et aussi à la vie de couple et donner du temps à l'autre. Et le fait de se fixer une heure limite permet de donner du temps à l'autre. Et comme je me suis fixé 18 heures, ça veut dire que si je finis par exemple un rendez-vous téléphonique à 18h15 ou si le temps d'éteindre mon ordinateur il est 18h05, je ne coche pas que j'ai fait l'habitude. Donc en fait, voilà, si j'avais mis 19h, presque tous les jours j'ai fini avant 19h, mais je me suis fixé 18h pour essayer de ramener un petit peu et de consciemment diminuer mon nombre d'heures de travail pour que mon cerveau soit plus productif et pour j'ai un petit peu plus de liberté dans ma vie. Voilà, ce rituel que j'ai partagé avec vous, je partagerai avec vous un autre rituel la semaine prochaine, jeudi à 19h. Et pour cela, il faut que vous soyez abonné. Cliquez simplement sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo pour vous abonner. Et ça me permettra de vous envoyer la vidéo dès qu'elle est disponible jeudi prochain. À très vite. Je fais partie des gens qui vont, quand vous les appelez, dire « Ah, j'étais sur le point de t'appeler. » Voilà, c'est juste, il y a des gens qui gardent tout le temps contact et qui appellent tous les jours.